L'ambassadeur russe en Israël convoqué pour clarifier les propos de Sergueï Lavrov. Le ministre russe des Affaires étrangères a mis le feu aux poudres ce dimanche en voulant répondre à Volodymyr Zelensky, qui s'étonnait de l'emploi par la Russie du terme nazification, alors qu'il est lui-même juif. Il avance un argument. Quel genre de nazification pouvons-nous avoir si je suis juif? Mais si je me souviens bien, et je peux me tromper, Hitler avait aussi des origines juives. Donc cela ne veut absolument rien dire. Depuis un certain temps, des juifs eux-mêmes nous ont dit que les plus grands antisémites étaient juifs. Des propos sulfureux qui n'ont pas tardé à faire réagir en Israël. Le ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid, a qualifié cette déclaration d'impardonnable et de scandaleuse, ajoutant que le plus bas niveau de racisme contre les Juifs était d'accuser les Juifs eux-mêmes d'antisémitisme. Le directeur du musée de la Shoah à Jérusalem a également tenu à condamner cette intervention. Les propos du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, sont fallacieux et doivent être condamnés dans les termes les plus forts. Il propage essentiellement l'inversion de l'Holocauste, où les victimes sont considérées comme les auteurs des crimes. C'est odieux, c'est méprisable et c'est contraire à la vérité historique. Cette polémique intervient quelques jours après la journée de commémoration de l'Holocauste. Jeudi dernier, Israël s'était figé l'espace de 2 minutes pour rendre hommage aux 6 millions de Juifs assassinés par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale.